Dédé, on sait que tu écoutes tout un tas de genres musicaux. Maître Gims, la section, ça tourne dans la voiture, ça tourne dans le casque. C'est quelqu'un d'éclectique, c'est vrai. On peut écouter je suis un peu dit, voilà, je suis un peu diversifié, moi. J'ai de la chanson française, du rap français, du rap US, un peu de tout. Mais c'est vrai que Wachibé et Maître Gims aussi, ça a été quelque chose qui, les trois dernières années, ont été dans le haut du classement, on va dire. Parce que je me rappelle une petite anecdote, l'année où ils ont été champions, désolé, ça passait à fond dans le vestiaire. Et là, c'est un peu, en ce moment, il y a Bella, il y a un peu Je me tire, donc ouais, c'est sympa. C'est bien. Saouler avant un match, c'est le type de musique que tu écoutes. Tu fais partie de ces joueurs qui ont besoin de s'isoler, de se concentrer avec de la musique dans le casque ou c'est pas ton genre? Non. On a deux, trois DJ là, entre lui et Rod. C'est vrai qu'on aime bien écouter de la musique à fond avant d'aller sur le terrain pour s'échauffer. Mais on a besoin de ça. Apparemment, il n'y a pas que moi, il y a les DD, même le coach s'est mis, donc on est bien. Quoi, vous faites écouter du section d'assaut, du Wachibé, du maître Gims à Eli? Un peu de tout. Tout le monde, avant le match, on met la musique. C'est une façon de se préparer. C'est une façon aussi de créer une ambiance dans le vestiaire. Donc voilà, on écoute tous la même musique. Et après, ça se retrouve forcément dans les iPods ou dans les téléphones. Donc voilà, et c'est vrai qu'en ce moment, il y est beaucoup. Gim, ça te fait quoi de savoir qu'avant de rentrer sur le terrain, pour célébrer une victoire, pour célébrer un titre, les gars écoutent ton son, ta musique, celle du Wati, celle de la section? C'est de la folie, c'est prestigieux, ça n'a pas de prix, tu vois ce que je veux dire? C'est des gens qui sont au sommet, qui sont vus et revus, qui... J'étais tout à l'heure à l'entraînement, t'avais quoi, presque 500 personnes ou 600 qui viennent seulement voir l'entraînement, tu vois, c'est des gens aimés, c'est des sportifs, moi je suis un fan de... J'ai beaucoup de respect pour les sportifs. Donc savoir que ma marque est portée par des gens comme ça, c'est un honneur pour moi, c'est un honneur. Et c'est pas des petits, quoi, c'est des gens qui sont au sommet, c'est les meilleurs dans leur domaine, que ce soit dans l'équipe, en France, ils font partie des... Moi c'est un prestige pour moi, c'est à pas de prix, c'est vraiment, ça me fait plaisir, tu vois. Et ça, je pense qu'ils le savent. Donc moi, ça me fait plaisir. J'ai fait le déplacement spécialement pour ça et sans regret, quoi, sans regret.